Bon, j'aurais bien aimé l'avoir en Steelbooks, mais c'est pas grave. Apparemment, il n'y en a plus même sur Amazon. J'ai vu qu'il était en rupture de stock ou temporairement indisponible. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, ce sera tout. Donc, on se verra tout à l'heure pour vous montrer à l'intérieur du boîtier. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà. Donc, voilà, je suis rentré chez moi. Du coup, je vous avais dit que le prix, bon, c'était 24,99, 25 euros. Donc, bon, j'ai donné ma carte que j'avais et c'est passé à 19,99 euros. Donc, je suis content, je pensais pas du tout que j'allais payer à ce prix-là, surtout que j'avais vu que c'était moins cher que ça sur Internet. 21, 22 ou 23 euros. Moi je me suis dit 25 euros, je me suis dit c'est bizarre. Donc je suis assez content, donc je l'ai payé finalement à 19,99. Donc voilà, je vais vous le déballer au moins comme ça. Donc voilà. Voilà, bon, juste cartonné, mais de toute façon je vais le jeter, hein. J'ai pas besoin de ça. Ça me sert plus à rien, interdit aux moins de 12 ans. Bon, sympa, voilà. Bon. Il est pas mal, hein. J'aime beaucoup quand même celui-là, heureusement, parce qu'on voit bien les acteurs et leurs costumes et tout. Donc franchement, j'adore, j'aime bien la couverture, j'aurais préféré avoir cette couverture-là en Steelbooks. Mais bon, j'ai voulu l'avoir en Steelbooks, vu que j'ai plein de... Enfin, j'aime bien les Steelbooks, hein, j'adore ça. Ça, c'est quand même joli, il y a des Steelbooks qui sont pas très jolis, il y en a d'autres, bon, sont vraiment bien. Bon, c'est vrai que j'ai trouvé moyen, le Steelbooks... Voir toutes les mains brandies en l'air et tout, avoir le trident d'Aquaman, bon, c'était original, c'était original. Mais bon, voilà, c'était pas foufou non plus. Donc, voilà, de toute façon, il y était pas en Steelbooks. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Bah, donc, du coup, je l'ai acheté comme ça. D'un coup, ça m'arrange, hein. Ça me fait payer moins cher. Donc, voilà. Un intérieur que je découvre en même temps que vous. 4K Ultra HD, HDR. Voilà. Ici, disque 1, donc c'est le Blu-ray standard. Et là, il y a un disque 2 4K HDR. Il y a un premier disque en Blu-ray. Disque 1. En Blu-ray comme il est écrit ici, et là il est écrit disque 2 en 4K. Donc je sais pas, enfin ça doit être, oui, du coup on m'a dit que c'était en forme de mini-série, donc j'imagine que... Donc lui en fait, lui c'est le disque numéro 2 en Blu-ray. Donc il y a le disque 2 en Blu-ray ici. Ça c'est le disque numéro 1 en Blu-ray, donc c'est lui d'abord et puis ensuite c'est celui-là. Voilà. Premier, deuxième, et j'imagine que lui, bah, c'est le premier disque en 4K qu'il faut regarder. Du coup, il est sous deux disques en fait. Du coup, premier disque et deuxième disque HDR. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le premier en 4K et lui, c'est le deuxième. Bon. Un peu dommage, mais bon, comme ça je vais devoir me lever mon canapé pour pouvoir insérer le deuxième disque. Bon, en plus c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir quand même deux films séparés en deux sur deux disques comme ça, en plus 4 heures, enfin déjà 2 h 30 ça va, c'est déjà long, 3 heures, 3 heures c'est Avengers Endgames, King Kong. À 4 heures quand même, ça pique un peu. Hein. Je vous avoue, 4 heures, c'est... Il y a intérêt qu'il n'y ait que de l'action dedans, hein, parce que sinon, je risque de m'endormir. Mais bon, je m'endors rarement, donc voilà. Donc voilà. Justice League, sorti aujourd'hui. Voilà, je vous le mets un peu dans la lumière, là. Désolé. Parce que j'ai fermé mes rideaux, il fait tellement chaud.
Donc voilà, interdit moins de 12 ans, et comme je vous l'ai dit, au niveau du son, c'est du Dolby Atmos, en français, en allemand et en anglais. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. Voilà, donc ça sera tout pour cette présentation de Justice League. Voilà, le carton, bon, je pense que je vais le jeter, hein. Ou le garder, je sais pas. Je le garde ou je le jette? Façon, c'est exactement les mêmes, hein. À l'arrière ou au devant. Je pense que je vais le jeter. Donc voilà, donc je le regarderai tout à l'heure, hein. Aujourd'hui, j'ai pas travaillé, je suis de repos, donc je vais le regarder tout à l'heure, d'ici peut-être 2 heures. Il est déjà près de midi déjà. Midi passé, donc je vais aller manger et je le regarderai juste après. Voilà. Et je vous dirai aussi sur une de mes futures vidéos, sur ma prochaine vidéo, je vous dirai si je l'ai bien aimé ou pas, s'il était vraiment bien. Voilà. Donc voilà, bah, ça sera tout, hein. Donc ça c'est fait. Donc voilà, ça sera en plus dans ma collection. Voilà, que je mettrai ici dans mes 4K. Voilà, tous mes films en 4K ici. Tous mes Steelbooks ici. Voilà. Donc voilà, ma petite collection. Bon, et puis voilà. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, si vous voulez l'acheter, je pense achetez-le. À ce qu'on m'a dit, il est vraiment très très bien. Donc, je lui fais confiance, je vous fais tous confiance. Donc, je vais le regarder. Et franchement, j'ai bien aimé hein, Batman vs Superman. J'ai regardé l'édition ultime qui dure 3 heures. Man of Steel. J'ai tout regardé. Aquaman, Harley Quinn. J'ai tous regardé Wonder Woman, le 1, le 2, donc j'ai quasiment tous aimé, donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas ce film-là. Surtout que je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu le premier non plus. Le premier Justice League, vraiment en couleur et tout, je l'ai jamais vu. Le premier Justice League qui est sorti quelques années, je l'ai jamais vu. J'ai hésité à le voir, mais on dit qu'il était pas terrible, les couleurs étaient vraiment pas terribles, donc. On m'a dit que celui-là était beaucoup mieux. Donc, et plus assombri, forcément. Vu la couverture aussi. Je vois à peu près quel genre de film c'est. Mais justement, j'aime beaucoup ces films-là. Qui sont un petit peu sombres, un petit peu froids. Donc, non, je pense que je vais bien l'aimer. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.